Nous sommes le seul parti dans la permanence tout somba. Tout qui n'a pas de détails. Nous sommes le parti tout ça bien organisé sur toute l'étendue. Le lopo za mukanda na poto il faut za mukanda il dépasse et point na monde la mona crédibilité wana. Ko banda Canada États-Unis ti wapi. Yo moko ye bien. Na Londres il faut za mukanda ya seul parti awora mutaza na parti songolo mais aye ono aidez moi pour immigrer. Na monde la ebi que le seul parti o bato akufela ka yango wana tous les jours ban levera ba combattant na biso. Pourquoi baninga msupe ba ya raté ba yusa biso que non ba kangi songolo parala. Ban levé o ba ki na siège ba service mabé. Kaka biso ndi to subisa ka ba so wana. Pour quelle raison? Je rappelle encore, nous sommes le seul parti oyo président longa me ba kanga ye pendant près d'une année ba perpétuer abima. Baninga msupe ba lobaté. O komona ke ndeko nanga so papa, tu as dit que tu as effacé Moussala et papa Nabiso Etienne. Et ça, histoire est comment? Histoire est comment? Et tu as marché dans l'histoire. Tu as dit que tu as fait Jésus a fait. Tu as dit selon parole. Papa, tu as dit que tu as barré l'icolo, que tu as dit que tu as génération. Ce que nous avons fait, j'aimerais te dire, c'est ceci. La première mission que nous a confiée officiellement Etienne Tshisekedi, nous, cette génération, c'était d'aller à la Cinco. Le 19 décembre 2016, c'est un peu comme ça, papa. Tant que tu es à 5 ans, c'est comme ça. Et ça, le 19 décembre 2016, le municipal de Balabala, le matin, le 20, Massa c'est Betty, tout ça, un jour, deux jours, après, Wenga a tiré pancarte, tout le monde a dit qu'il y a un peu de temps, Mais tu es verrouillé. Qu'est-ce qu'on a gagné avec la 5 ans? Beaucoup de gens l'oublient. Il n'y a pas de troisième mandat, il n'y a pas de possibilité de troisième mandat, il n'y a pas. Tu es à la Kabila, tu es à la Kabila. Tu es à la Kabila. Biso na mayele na biso totala ki to lobi to pesa ke na ne le 31 décembre à la élection 2017 à salité to telemisi li solo ya transition sans Kabila qui en fait un verrou pour lui faire comprendre que oh so bandi ko te pas to za na plan B to salini ni to sengi bato ba pona na ne ko za la personnalité na société civile o ko ko za makambo ngo kombo ya cardinal Mosengo et Bimi, plébiscité. Derrière lui, c'était Dr Mukwege, troisième personne, Paul Sapou, la Fédération internationale des droits de l'homme. Voilà la vérité. D'où si ko to yebi, aya yebi. Ko 23 et to Bimi li banda te expliquer na ba partenaire na biso nyonso. Il y a Afrique, il y a Europe, il y a Asie et ailleurs que ce qui ndeko a salisi ba élection té. Le quoi tu pensais déjà de là le 31 à négocier à l'obité nananga non 500 quelques jours n'oubliez pas on est parti de 500 et quelques 504 jours to komana vous peut absolument beau tu peut to beta bien tito zonga na date le 23 décembre on te télémeli to lobby au 23 décembre na minuit ya ko loba kutu ezate transition et bandi biso to bo masasi papa ba bakena masasi to mona place basuka ya biso komba ezanini idée to fandisi idée to te ya yo to te ya congolais to congolais comprendre. Mais jusque-là, nous avons bien avancé. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu Kabila Luka Dauphin? Ce qui est toqué. Maman, na lobby boy. Na lobby, hein? Na lobby, requin. Tu sais, au moins, maman, le problème, c'est que Zanini. Tout ça, moi, image, moi, tout analysé. Le 19 juillet, à Pessi Discours, à côté de ça, il faut demander aux psychologues, aux psychiatres, aux notaires, à l'image, le langage, le body language, comme on dit, à Zandini, au moins, nous avons attendu à Kokolobate. Qu'est-ce qu'il vient dire devant la nation congolaise? Bato bana salouana, baba tunaye. Ah, il va sentir tension, mon coup. Ah, na fin de la vie. Comment ressentir tension? Le CENSA était désigné en anglais, design pourquoi? Institution Oyo,
poids politique y a papa Étienne Tshisekedi soit dans la bonne moi à quoi que bengi sa premier ministre à quoi que bengi sa c'était taillé pour se rassurer que quoi tozo kende une application accord to que na élection c'était ça le design lelo olenga ko ya meka yomo bina bato ba kenara nae bango ba tiaka libanda. Parce que il a essayé de mais pour un pour papa a zan angote a otika le peu zan angote soit zan a pour papa il pouvait s'imposer face à Nanindeko Bruno Tshibala tout mande comme sur tout na bozawa pi bananga bani banine oyé oyo kaka jour a mekaka lobby non dédoublement bousalaté a boire kutu a pexa kutu Bruno Tshibala ça la IDP est-ce que Bruno Tshibala boire ayo kaka. Si vous imaginez que vous avez été en Tshisekedi, vous avez été en Lobaka, vous avez été en Bongote, vous avez été en Bongote. Il y a un lobby, pardon. Papa, c'est à Kenda. Moi, je suis Télémi, toujours que je suis en Malembe. Pas dans le cadre de combat à Lobaka, non. Mais dans le cadre que tous mes mamans ont une institution, ils ont été en Bongote. Tout le monde a été en cadre. Ils ont été imposés à rater. C'est la base qui amène au-dessus. À la différence, à partir de ce moment-là, tu as un costume, cravate, à Betty, la messe, à Lobby. Et pas dans la base. Si tu as un micro, tu as une base, na biso. Base zo lo bakutu nini toko kende biso moko biso ne to mabango to lo bate bongote il faut to kende na bande konyoso po base za assurance ko lo bate toko ko beta ngo biso moko to sa base te nous cherchons l'unité ne to mema unité ngo au travers nani rassemblement parce que bindeko bobo santé nous on a perdu des milliers de combattants hein? Bato bani ngabati a vuva na totuna totuna bi papa nous avons 30 tozana 30 ans toi na 30 ans combat ça quand même ancienneté to kubi to koli so time toi na 30 ans na vie mutu mo sa bali au na bana mbale misato mutu so na 2 ans 3 ans opposition auto zela auto banda ta olumba ta solo ndeko zana sisa te tozali ko poser des arguments au moni le problème dans la vie c'est quoi bato msuba ka na ba ambition démesurée. L'UDPS a fait avancer dans ce pays le processus démocratique bisika tozali. Est-ce que bandeko boko reconnaître que tout ça la musala wana? Ce qu'on dit que tout ça la musala wana. Ou quoi y a quand même na hein na mo attitude moya normal. Potoko tuna yo magezo zotia makile na yo ozali na combien de députés élus? Vraiment na kande msusu azaka yemoko. Donc yo sur totale en moyenne peut-être va élire yo avec 10 15 000 voix. Mais aux ambitions que vous avez candidat à la présidentielle, vous êtes au fond de la bandarodicité, au type, il y en a fait, est-ce que ça a solo? Or, ce total est un RDC. Ah, oui, non, 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 non. Il faut pas avoir 30 ans, c'est Félix quand même, 30 ans. Dans le lobby, vous avez dit, merci, merci. Aux ongles, c'est l'ingan Anzela. En 2011, Félix, vous avez dit, défendre le candidat. En 2011, ville de Mbujimaï, ceux qui ont été au chiffre à Séni, parmi les meilleurs candidats Mboko Isaïbana, élu, Félix Tshisekedi Azaï Nakati. Ce boibite, Boukine Koutala va chiffre. Nous, nous parlons sur des bases scientifiques. L'élection, il y a ma soloté, il y a ma sapoté, et Bandarana. Tena lobby. Azaka plébiscité, ville de Mbujimaï, plus de 100 000 voix. Basile Olongo, capitale, et Kinshasa. Papa, mais c'est tout à fait normal. Ce papa, ça, 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 mais est-ce que c'est un robot? Est-ce qu'il y a faute? Il y a faute à papa Nangai. Abunda, c'est un villageois qui, a été, qui s'est fait élire deux fois gouverneur et ville. Donc, Raouta Imboka. Et laisse-moi te dire, tant que tu es papa, il s'en a pas si parce que moni, malgré que tu as le cahier, à ça, tu as le cahier. C'est quoi le bani? Bisso, UDPS. Tu n'es pas tout ce qui est une démonstration scientifique. Tous en 2006, tous a candidaté. Mais, ba membre na biso et belé bazo carte d'électeur. Jean-Pierre Bemba passe, il a quoi 40 et quelques pourcents. Dans lesquels il y a le report de voix, l'UDPS n'est pas participante à l'élection. 2011, oui, Ndeko Vital Kamere, combien de pourcents 3. D'accord. Pour que n'a pas donné scientifique, tu as trop ça me l'autre. Tu as là, yo salara combien à n'importe à quel moment parce que il y a pas de cadeau. Nous cherchons moto yo peuple congolais aussi identifié katinaye. Est-ce que les lo yo batomisu sous sambongo bakote mi sabat. C'est cela le plus important. Et de trois, c'est le poids politique. Est-ce que les lo yo selon seuil à n'ba lobi seuil à représentativité 1 ou 2%. Est-ce que ba parti yo son n'ba zana baza capable que ne ba mo mi sa seuil yo ana. Pour biso to ko kende.
mais tout ça l'on veut bongoter pour bison ne t'aura déjà na maïe le rassemblement romain batunyoso y a autre signe na baninga bolanda le lengue UDPS qui bat ça Alexis Nonzela boya koto misu super na bison bo bon bande basambi lobby chef y a opposition tilelo ah chef na lobby boye ndeko nangai chef y a to lobby boye chef y a opposition tilelo na mito to lobanga na yo rassemblement des forces politiques et sociales. La dynamique fait partie du rassemblement. C'est une des composantes. Mon cousin a bango. Pour ça, on est humble à l'obarate. Pour ceux qui allent là, vous va deux fois. Yé atiana inasé. Yé ndé mon cousin. Vous comprenez? Bango toi na ba yébi que le président, c'est lui. Mais c'est pas Jean-Pierre. Papa, na lobby hein. Au moins la rabbi soit attaqué. Na wakutana maman comment s'appelle? Comment s'appelle l'américaine ici? Niki allez merci ndé konangai. Tantôt que wakutana Niki. Non, non, mais ma délégation. Bouta la image, bouta la ka. Bandeko toi na baza conscient, y a force toujours représentée. Bino ba position. Il faut bon me mabiso na polémique te. Mais na to expliquer peuple na malemeke, bouta la. Et zate que parce que toponio que tu es le meilleur en tout. Non. Si ko koza bato yomoni misusu, ba na bango do mou pepe. Ne ba tira ma kele la pamba. Ah, vo. Y en a absolument matisi koyo. Deux, ba fouti. Nde onanga vital kamere. Leonatongo. Tozo zela bango papa nangai. Et si ko landan deko, ko futa 100 000, c'est une chose. Mais ça na propos misusu, nengo tolo babou. Bako za futi na bango, mais jo a réunion na bango ya la monte. Pour te bien avant bazal léger l'autre. Assume ce que je dis. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti. Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable. Et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul, l'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre évidemment. On parle de l'UNC, la base de l'UNC souhaiterait que vous et Vital Kamere vous rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois qu'il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc, à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Félix Tshisekedi a décidé de retirer sa signature. Sa base le lui demandait. La base de l'UNC demande à Vital Kamere de retirer sa signature et de rentrer faire campagne à Kinshasa. Que répondez-vous à votre base? Merci mon cher Christian Lusakwena pour l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à la base et répondre à sa requête. Je voudrais d'abord vous rappeler que l'UNC, c'est un parti de masse. Un parti qui a une base réelle sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. C'est donc le parti qui porte les leaders. J'avais été investi par le congrès du parti qui représentait tous les membres du parti comme candidat à la présidence de la République.
Je suis allé à Genève après avoir consulté la direction politique nationale de mon parti qui représente la base et le congrès en l'absence de la session du congrès. Ils m'ont donné le quitus d'aller à Genève pour aller construire ensemble avec mes collègues de l'opposition, consolider l'unité de l'opposition et nous choisir un candidat commun de l'opposition pour affronter les échéances électorales du 23 décembre 2018 avec beaucoup de garanties de gagner. Aujourd'hui, la même base s'est réunie à travers la direction politique nationale, certainement après avoir entendu les lamentations, la colère à travers tout le pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique nationale s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de la direction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux que obtempérer. Donc j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-frageler, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Je voudrais dire à ma base que je suis allé accomplir une mission qu'elle m'avait chargée de remplir. Et je l'ai remplie, mais le retour de la flamme du côté de la base, j'ai compris le message et donc je réponds favorablement à ce message de la base. Monsieur Bissan Kamere, la question que tout le monde se pose, comment